19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente ce mercredi à Lomé. Les ministres se retrouvent après la 21e réunion ordinaire du comité des experts de l'institution tenue il y a quelques jours. Pour les ministres à cette 19e réunion ordinaire, il s'est agi d'examiner et d'adopter le projet annuel de performance pour l'année 2022. Aussi à l'ordre du jour, l'examen de la situation financière du CERFER, l'état d'avancement des réformes, les rapports d'activité des différentes institutions et les situations de créance de trésorerie de l'ensemble du dispositif communautaire. Et c'est le ministre togolais des Affaires étrangères qui a présidé les travaux de la rencontre. Je suis heureux que ces assises nous aient permis une fois encore de faire le point sur nos actions et adresser des recommandations pour la relance de certains de nos projets phares, tels que le programme immobilier, le programme d'électrification à base de sources d'énergie renouvelables, la tour entente d'Abidjan ou encore le mall de Niamey. Avec la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences sur les plans économiques et sociaux, les idéaux et la vision du Conseil de l'Entente demeurent aujourd'hui plus que pertinents. Et il nous appartient, chers collègues, d'en faire des instruments d'intégration performants et de résilience au service de l'épanouissement de chacune de nos populations. Cette 19e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a été marquée par le renouvellement au sommet de l'institution. Patrice Kwame a passé le témoin à Marcel Amontano qui devient le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Le SE sortant dresse son bilan. Nous avons pris fonction plus précisément le 2 janvier 2012. Et les chefs d'État nous ont donné une feuille de route. L'institution connaissait une situation de léthargie. Et ils nous ont dit de relancer les activités du Conseil de l'Entente. Nous sommes employés à le faire dans les différents domaines de coopération. Au niveau de la coopération politique, vous avez pu voir que le Conseil de l'Entente participe désormais à l'observation des élections. Donc toutes les élections qui se sont déroulées dans notre espace, le Conseil de l'Entente était présent pour participer à ces élections. Nous avons aussi recommandé aux États de prendre à leur compte les bonnes pratiques. L'une des recommandations que nous avons faites, c'est la décentralisation et l'ouverture de l'espace médiatique dans les différents États. Et ces recommandations ont été suivies. Au niveau de la sécurité, nous avons organisé des ateliers avec la coopération suisse sur la prévention de l'extrémisme violent. Au niveau du développement, le Conseil de l'Entente a travaillé dans ce secteur en faisant des forages pour les populations, en électrifiant des villages par énergie solaire, en construisant des écoles, par exemple à Dindové. À Dindové, vous avez une école construite par le Conseil de l'Entente. Et aussi des centres de santé, tels que à Falamoa au Niger. Ensuite, la culture. Le Conseil de l'Entente a soutenu des actions culturelles majeures dans chacun des pays. Il y a eu un grand programme immobilier qui est une ambition du Conseil de l'Entente. Ensuite, le CERFER qui est une école du Conseil de l'Entente qui est basée ici à Lomé. Le Conseil de l'Entente, à la demande des chefs d'État, est en train de réformer totalement le CERFER pour lui donner plus d'efficacité. Le nouveau secrétaire exécutif n'a pas manqué d'adresser toute sa reconnaissance à son prédécesseur pour l'engagement et la détermination dont il a fait preuve pour faire avancer l'institution. Marcel Amontano a promis suivre ses pas pour un Conseil de l'Entente plus dynamique et plus performant dans la sous-région ouest africaine. Le Conseil de l'Entente qui réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo a pour mission d'œuvrer pour la paix et la stabilité de ses pays membres et le bien-être de ses populations.
œuvrer conformément aux tests en vigueur pour la délimitation des frontières maritimes du Togo et aussi pour l'extension du plateau continental, la Commission nationale des frontières maritimes du Togo, CNFMT, déroule ardemment sa feuille de route. En conférence de presse ce mardi à Lomé, la Commission fait le bilan de ses activités menées au cours de l'année 2021. Depuis le 3 octobre, date de la première réunion, à ce jour, au 31 décembre 2021, elle a tenu 66 réunions qui ont pour objectif de préparer les dossiers techniques, notamment l'extension du plateau continental au-delà de 200 miles. Ce dossier a été confectionné et déposé aux Nations Unies à la Commission des limites du plateau continental. Également, la carte marine officielle du Togo a été élaborée pour servir pour les besoins de la navigation et également pour les délimitations de la frontière maritime. Aujourd'hui, nous avons pu ouvrir les négociations avec les États côtiers conformément aux dispositions de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. En somme, près de deux tiers de la mission qui lui est assignée a été réalisée. Des progrès enregistrés, mais également des défis à relever par la CNFMT pour la nouvelle année. Non, en termes de perspective, le dossier du plateau continental a été déposé aux Nations Unies et nous avons fait la présentation de ce dossier aux Nations Unies. Et ce dossier doit passer, n'est-ce pas, en commission du plateau continental. Et lorsque la commission évalue notre dossier, eh bien, ils vont nous inviter à aller défendre le dossier. Donc, nous sommes en train de faire le suivi de ce dossier. C'est l'une des perspectives. Ensuite, nous allons poursuivre les négociations avec les pays voisins, notamment le Bénin et le Ghana, pour parvenir à une délimitation de frontières maritimes consensuelles. Créé par décret numéro 2015-062-PR du 9 septembre 2015, la Commission nationale des frontières maritimes CNFMT répond à la volonté du gouvernement de parvenir à une limitation conventionnelle des frontières maritimes du Togo et d'obtenir l'extension du plateau continental qui va de 200 à 350 mailles marines. Pour la semaine du 5 au 11 janvier, le Togo a enregistré 2591 nouvelles contaminations liées au Covid-19 avec malheureusement 4 décès. Une légère baisse selon la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 qui invite plus d'un à maintenir le cap dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons noté 2591 cas contre environ 3000 la semaine dernière et 2014 la semaine d'avant. Plus le nombre de cas augmente, plus ça risque de toucher les personnes vulnérables qui peuvent développer la forme grave de la maladie et décéder. Aussi, ces cas sont augmentés à 90%, c'est à Lomé, comme nous l'avons dit dans le Grand Lomé, mais aussi dans presque toutes les préfectures, tout en sachant qu'il y a certaines préfectures qui étaient les plus touchées, dont les cas commencent par se normaliser. C'est le cas des préfectures du Tchadjor, des préfectures de Kloto, la préfecture des Lacs, et puis aussi c'est le cas de certaines sociétés, notamment la NSCT, la société cotonnière, mais aussi c'est le cas de certains services où il y a une augmentation des cas qui sont en train de s'améliorer. Plus il y a une augmentation de ces cas, plus il y aura des cas d'hospitalisation. Et hospitalisation, qui dit hospitalisation, dit en majorité en réanimation. Actuellement, le nombre de cas au CHL Lomé commune a augmenté. Nous sommes à 32 cas hospitalisés. Et parmi les 32 cas hospitalisés, il y a 14 cas qui sont en réanimation, dont 2 cas critiques. Abordant la question de la vaccination, le coordonnateur s'est réjoui de l'engouement de la population à se faire enrôler.
Cependant, les objectifs restent loin pour l'atteinte de l'immunité collective afin de vaincre définitivement le virus. D'où la nécessité de se mobiliser à travers cette vaccination. La vaccination, le nombre total de ceux qui ont eu leur première dose, tout vaccin confondu, tourne autour de 1 403 418, environ 35% de l'objectif des cas à vacciner, ce qui fait quand même un bon chiffre, mais nous devons aller jusqu'à 70%. Pour ceux qui ont eu leur deuxième dose, ils sont autour de 1 047 335, soit un pourcentage de 26% de l'objectif. Et ceux qui ont eu leur dose de rappel, que vous appelez communément troisième dose, tournent autour de 10 000 actuellement. Au total, pour ce qui est des vaccins, il y a 2 460 601 vaccins qui ont été délivrés à la population. Et nous avons des réserves de vaccins aussi qui tournent autour au plus de 2 millions qui sont en réserve qu'on peut encore utiliser. Et c'est pour cela que nous appelons ceux qui ne sont pas encore vaccinés d'aller se faire vacciner rapidement pour qu'on puisse reprendre les activités. Vu l'évolution de la maladie dans notre pays, les activités et les manifestations sont soumises à une autorisation. La CNGR invite les populations au respect des mesures barrières et restrictives. Nous devons vivre avec le virus et nous devons adapter nos activités pour vivre avec le virus et ne pas transmettre ce virus-là. Et c'est avec ça que nous arriverons à bout de cette pandémie. Vaccinons-nous, respectons les mesures barrières, portons le masque, lavons-nous les mains, respectons la distanciation et évitons tout regroupement pouvant transmettre la maladie. Et surtout, ceux qui ne respectent pas du tout les boîtes de nuit, les bars dans lesquels on fait le dancing et j'en passe. La lutte contre le Covid-19 est une affaire de tous. Le colonel Djibril Mohamed a par ailleurs invité les populations à une prise de conscience vis-à-vis de la maladie tout en adoptant des comportements responsables et visant à barrer la route à cette pandémie dans notre pays. Men Afrivac, c'est le nouveau vaccin introduit depuis le 27 décembre 2021 sur le calendrier vaccinal au Togo. Ce vaccin est administré gratuitement aux enfants de 15 à 24 mois afin de renforcer leur immunité contre la méningite à méningocoque A. Après des campagnes de vaccination dans 4 régions à haut risque du pays avec des résultats satisfaisants, il était important pour le ministère en charge de la santé d'introduire ce vaccin dans la vaccination de routine, ce qui permettra d'éradiquer cette pathologie qui continue de menacer les populations. La toute première épidémie qui s'était déroulée en 1997 a touché surtout la région des savanes, c'est-à-dire que Toun, plus de 3384 cas avec 515 décès. Et donc face à ces flambées de cas et de décès, il est très important qu'on introduise ce type de vaccin dans le peuple de routine afin que les enfants acquièrent une immunité et par conséquent pouvoir lutter contre la survenue éventuelle de cette maladie. Donc c'est à partir du 15e mois que la méningite se fera. Et elle se fera au même moment où on fera la deuxième dose du vaccin RR, rougeole, rubéole. La sensibilisation et la mobilisation des parents autour du vaccin MEN AfriVac reste une étape cruciale. Et la contribution des professionnels de médias s'avère indispensable. D'où cette rencontre d'information et d'échange entre les journalistes et les responsables de la Direction régionale de la santé Grand Lomé. Afin que la communauté, la population adhère à cette vaccination de nos enfants, il faudrait qu'on puisse
sensibiliser, informer tous les parents. Et cette sensibilisation ne sera effective et va reçue qu'à travers les médias. Il faut noter qu'en dehors des médias, des journalistes, on a aussi les relais communautaires. On fera des réunions pour partager les mêmes informations qu'on a eu à partager aujourd'hui sur les importances, l'avantage de faire vacciner les enfants. Souvent, les parents, à partir du 9e mois, après avoir fait leur vaccin contre la rougeole rubéole, oublient qu'il faut encore ramener les enfants à partir du 15e mois. Parce que par le passé, les informations qu'on disposait, c'était de faire vacciner son enfant au moins 5 fois. Mais maintenant, c'est qu'il faut faire vacciner son enfant au moins 6 fois. C'est-à-dire qu'après le 9e mois, il faut encore amener son enfant pour se faire vacciner contre la méningite et la rougeole deuxième dose. La méningite est une infection bactérienne grave et qui peut avoir des séquelles irréversibles sur les victimes. Il importe donc de protéger les enfants à travers le vaccin MenAfriVac qui confère 10 ans d'immunité. Le panier de la ménagère de plus en plus cher est insupportable pour la plupart des ménages au Togo. Une des conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour soulager un tant soit peu les peines des citoyens, certaines mesures sociales ont été prises par le gouvernement, entre autres le renforcement de contrôle de prix sur le marché et de la garantie de loyer dans la ville de Lomé, l'octroi d'une avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics, ainsi qu'aux retraités. Suite à cette décision, l'Association togolaise des consommateurs ATC réagit favorablement. L'ATC a pris acte de ces mesures. Elle encourage le gouvernement à faire plus. Pour le contrôle efficace des prix sur le marché, le numéro vert 8585 a été mis en place tout récemment par le ministère du Commerce. Une décision salutaire dont les avantages sont multiples, selon les responsables de l'ATC. Ça permet de signaler directement les pratiques qui entravent la liberté de concurrence. Nous sommes dans un système où les prix sont fixés par l'offre et la demande. Et que c'est la concurrence qui permet réellement d'avoir les produits au meilleur prix. Mais il se fait que des opérateurs économiques véreux créent des pénuries. Donc avec cette ligne verte, les consommateurs avisés peuvent signaler ces genres de pratiques et permettre en sorte que les services techniques du ministère du Commerce ou des ministères sectoriels concernés puissent agir pour mettre fin à ces pratiques-là. Cela peut permettre d'agir sur les prix des produits que nous avons. Ça permet également, en dénonçant les produits avariés qui sont vendus sur le marché, de protéger le consommateur et la santé du citoyen togolais. Le gouvernement fait des efforts louables pour rehausser le pouvoir d'achat et améliorer les conditions de vie des populations togolaises. Mais il reste à faire. L'Association togolaise des consommateurs formule des doléances. Ces mesures, quoique salutaires, ne permettent pas de soulager totalement le panier de la ménagère. Elle invite le gouvernement à réactiver les cadres de discussion et de concertation, à œuvrer avec les partenaires sociaux pour que des solutions plus pérennes soient trouvées aux difficultés que rencontre le consommateur togolais. Il importe que le gouvernement communique davantage sur les projets, notamment les projets Ouezou, les projets de santé universelle et de l'assurance universelle, pour que le consommateur sache réellement quel est son intérêt, quel est son avantage et ce qu'il doit faire pour être bénéficiaire de ces projets. Ceci permettra d'assurer le bien-être et le plein épanouissement des consommateurs en cette période de la pandémie au Covid-19. Soulignons que pour mieux servir les consommateurs, un centre d'écoute, d'information et d'assistance a été créé à l'initiative de l'ATC.